Yep. Ooh la la. Sure. Lui, il est costaud. Yep, yep. Salut, salut. Hier, donc, j'étais sur le même spot. Donc, c'était pas mal du tout. Il y a eu pas mal d'action. Après avoir pas mal marché dans les roches pour tester plusieurs petits coins, je suis revenu sur le spot principal et là ça a pas mal fonctionné pour moi. Yes. Petite carangue franche. Premier lancé. Wouhou. Allez, deuxième lancé. Bon, ben, depuis la carangue franche, rien du tout. Du coup, je vais essayer de repartir et d'aller encore plus loin. Encore le temps. J'essaie de me dépêcher et puis voilà. Allez, c'est parti. Mission. Merde. Yes. Oh, dernier spot quoi. Dernier spot. Poisson. Yes, aïe. Belle camade. 3 kilos environ sur le artistic bait Sébille. Trop bon. Franchement, trop bon. Belle bête. Je pense que je vais la ramener à la maison. Vu que je pense en durant en Guadeloupe. Donc ouais. Wouh.
Allez, petite deuxième, ce serait cool. En plus, mon leurre est plein de sang, il sent bon comme il faut là. Poisson. Elle tire. Ah, c'est une babiane. C'est une babiane, une céréole. Puissant. Vraiment puissant comme poisson. Petite céréole. Babiane, on appelle ça ici. Ça tient bien quand même, hein. Beaucoup de force. À la fin, elle attaque un petit Renault juste au bord. Excellent. Vraiment, ça a beaucoup de force. Yes, I. Allez là. Yes. Yes. Notre carangue, ça. Cool. La petite camade, c'est bien défendu. 3 points sur une session, c'est cool. Même 4 du coup. Donc aujourd'hui, j'essaie de revenir au même endroit. Il y a toujours un banc de cailloux ou de pisquettes, des petits poissons qu'il y a dans les eaux guadeloupéennes. Et donc voilà, il y a moyen que ça chasse, qu'il y ait des carangues. Je vais commencer au popper. Comme ça, s'il y a des carangues dans le coin qui traînent pas loin, qui attendent la bonne heure pour attaquer le banc, au moins ça va les alerter. Et puis voilà. On verra ce que ça donne.
ça me tente bien. Je vais le tester. Allez mon gars. Je vais aller un peu plus loin et voir ce que ça donne. Beau cola, un énorme cola. Oh, c'est le plus gros cola que j'ai pris de ma vie. Il est énorme. Oh, j'ai même cru que c'était une carangue qui tirait. What? C'est quoi ce délire? Il est énorme. Regardez ça. Franchement, wow, énorme. Vraiment le plus gros cola que j'ai pris. Quoi. Magnifique. Ah la bête. Je sais pas combien il fait, mais de toute façon, comme je vais le ramener, je le mesurerai et je le peserai. Sur un jerkbait Daiwa SP Mino de 14 cm à peu près, je crois. Wow. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, mais attends, mais ça tire quand même fort et tout. J'ai pensé plus à une petite camade, quoi. Mais ouais, franchement, énorme. Énorme cola. Clairement, mon record. Énorme. Allez, je vais aller voir ce qui se passe près du banc de cahut. Le soleil commence à bien se coucher là. On perd le poisson. Allez, une carangue pour finir l'après-midi là, ce serait top. Ce serait top. Bon allez, je me barre. J'ai bien lancé aujourd'hui. C'était pas comme hier, mais c'était quand même une bonne session. J'ai fait le plus gros cola de ma vie. Donc, nickel.